Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons le 20h de ce mercredi 20 mars 2024 par les messages du chef de l'État à son Excellence, Monsieur Kais Saïd, président de la République de Tunisie. Monsieur le Président, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom personnel, j'ai l'honneur de vous présenter à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre beau pays, la République tunisienne, le 20 mars 2024, nos vives félicitations et nos meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à davantage au développement et au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'État de mon pays et la République tunisienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. Un autre message à son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Arménie. Monsieur le Président, j'ai le grand plaisir de vous adresser ainsi qu'au peuple arménien mes chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration en ce 20 mars de la fête nationale de votre pays. Je saisis cette heureuse opportunité pour réaffirmer ma ferme volonté de travailler de concert avec vous pour la diversification des relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Arménie et le Tchad au bénéfice mutuel de nos deux peuples. En vous renouvelant mes sincères félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. À la primature, le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Dr. Succé Massra, a présidé cet après-midi une réunion du comité interministériel sur les solutions durables pour les déplacés internes au Tchad. L'objectif de cette réunion est de relancer les activités du dit comité interministériel et de présenter la feuille de route afin d'élaborer une stratégie nationale des solutions durables pour les déplacés internes au Tchad. Le compte-rendu de cette réunion avec Zahra Tchari. Présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Dr. Succé Massra, cette rencontre vise le lancement des activités du comité interministériel afin de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux des déplacés internes et d'élaborer une stratégie nationale des solutions durables pour les déplacés internes au Tchad, tout en réaffirmant la volonté politique de son gouvernement à mettre en œuvre une approche intégrée. Le chef du gouvernement, Dr. Succé Massra, n'a pas manqué de saluer l'engagement des partenaires financiers et techniques. Les personnes déplacées qui doivent, et je suis convaincu dans votre esprit aussi, être traitées de la même manière que les autres. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de travailler avec tout le monde pour, un, montrer le leadership du gouvernement sur la question de l'engagement plein et entier du gouvernement sur ces Tchadiens et Tchadiennes qui nécessitent aussi de pouvoir être traité au même niveau que tous les autres. Cette démarche du comité interministériel vise à apporter des réponses adéquates aux besoins des déplacés internes. Des discussions franches axées sur des propositions ont été faites lors de cette rencontre. Une feuille de route a été adoptée et servira de canevas pour le comité de traduire dans les faits son plan d'action. Un motif de satisfaction pour le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mohamed Assiouti Abakar. On a eu la chance d'avoir autour de nous des partenaires techniques et financiers qui sont engagés à appuyer le gouvernement tchadien dans ce sens. On a eu des annonces qui ont été faites en termes de financement. Et on espère que dans les mois et les semaines à venir, on aura une stratégie nationale des solutions durables qui va faire en sorte que les déplacés internes tchadiens ne soient pas oubliés. Comme c'est le cas aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Dr. Succé Massra, appelle à une synergie d'action de tous les acteurs afin d'apporter des réponses aux difficultés que rencontrent les déplacés internes.
Zahra Tahri, après la réunion, le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Dr Sursi Masra, a reçu en audience la secrétaire adjointe du Bureau des populations, des réfugiés et des migrations du département d'État des États-Unis d'Amérique, Gilles Varsnoy. Les échanges ont porté sur la situation des réfugiés soudanais vivant à l'est du pays et aux migrations. Les précisions avec Alexis Damgué-Damsi. Le chef du gouvernement de la 5e République, Dr Sucsé Masra, est le numéro 2 de l'institution en charge de la gestion des populations, des réfugiés et des migrations des États-Unis, ont passé au pain fin les questions relatives aux populations, les réfugiés et les migrations. Le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, qui tient au respect des droits humains, l'égalité et la justice entre les êtres humains, indépendamment de la race et la situation géographique, a saisi cette opportunité pour expliquer les efforts du Tchad en faveur des réfugiés soudanais, centrafricains et autres accueillis au pays de Toumaï. L'Américaine en charge de la population des réfugiés et des migrations a apprécié à juste titre la clairvoyance du chef de la deuxième institution de la République du Tchad au sortir de l'audience. Aujourd'hui, j'étais fier d'annoncer lors de ma rencontre avec le Premier ministre que les États-Unis fourniront une aide humanitaire supplémentaire de 47 millions de dollars à nos partenaires internationaux qui aident les réfugiés et d'autres personnes fuyant la violence au Soudan, y compris ceux qui cherchent la sécurité au Tchad, ainsi que les communautés d'accueil généreuses. Le Tchad est félicité et apprécié par la communauté internationale pour son hospitalité légendaire qui a permis d'accueillir des milliers de réfugiés soudanais. Ces gestes méritent d'être appuyés et soutenus. De la primature, rendons-nous à l'hémicycle où le troisième vice-président du Conseil national de transition, Malom Yoboidi Ndiraki, a reçu également en audience ce matin une délégation du système des Nations Unies. Les échanges ont porté sur les échéances électorales. Les précisions avec Mbaï Ngardikina. C'est une délégation de 5 personnes conduite par Akinyemi Adegbola, qui est venu échanger avec le troisième vice-président du Conseil national de transition, Malom Yoboidi Ndiraki, sur le processus électoral en cours. La mission, dépêchée par le système des Nations Unies, est venue aussi évaluer les progrès réalisés par le gouvernement du Tchad. D'abord, la mission que nous conduisons, c'est une mission qui fait suite à une mission précédente qu'on avait conduite en mars dernier. C'était à l'époque la mission d'évaluation des besoins en matière électorale. Et cette fois-ci, on fait une mission de suivi, tenant en compte le fait qu'il y a une nouvelle constitution, de nouvelles institutions qui vont conduire le processus électoral. Et nous sommes venus être en contact avec ces institutions et les autorités de l'État pour mieux appréhender le contexte dans lequel vont se préparer les élections, mais également d'échanger avec les organes intéressés pour voir dans quel domaine les Nations Unies, le système des Nations Unies peut les accompagner pour la préparation des élections. Par cette mission, le système des Nations Unies entend jouer sa partition et voir dans quelle mesure appuie le Tchad dans l'organisation des élections à venir. Des rencontres avec l'ensemble des parties prenantes intervenant dans le processus électoral ainsi que les partenaires techniques et financiers sont prévues. Aux affaires étrangères, la secrétaire d'État Ousna Kassir et Isabelle Ousnan a accordé également ce matin une audience à une délégation des Nations Unies d'évaluation des besoins électoraux conduite par Okinyemi Adegbola. L'interview a porté sur la présidentielle du 6 mai 2024. Récit Arafat Souleymane Aboubakar. Dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2024, les plus hautes autorités multiplient des rencontres avec les partenaires. C'est dans ce siège que la secrétaire d'État aux affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Kassiré Isabelle Housna, a reçu une mission des Nations Unies chargée d'évaluer les besoins électoraux. L'émissaire de l'ONU, Akinyemi O. Adegbola, et la secrétaire d'État ont échangé largement sur le déroulement de ce scrutin avant, pendant et après.
Le chef de la délégation onusienne rassure de la disponibilité des nations pour la réussite de cette élection présidentielle pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes en train de faire une mission de suivi qui fait suite à une mission précédente qu'on avait tenue l'année dernière, en mars de l'année dernière, dans le cadre de l'assistance électorale. La première mission s'était plutôt penchée sur l'appui au processus référendaire. Et sachant que le référendum allait introduire une nouvelle constitution avec de nouvelles institutions, nous avons pensé qu'il serait bien de faire la mission de suivi pour mieux nous pencher sur l'accompagnement qui doit se faire. C'est sur une note de satisfaction que la mission a pris congé de la secrétaire d'État aux affaires étrangères. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Dans une déclaration faite ce midi, la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Kassiré Isabelle Ousnon, a situé la portée de cette journée tout en rappelant le progrès réalisé. Suivez plutôt un extrait de cette déclaration. La commémoration de la 54e édition de la Journée internationale de la francophonie vise aussi à mesurer et apprécier l'esprit de solidarité et de coopération entre nos États et nos peuples qui ont la langue française en partage. Sous l'impulsion de nos chefs d'État et de gouvernement, notre communauté a dû ainsi mettre cette langue commune, le français, au service de la diversité culturelle, de la protection de l'environnement, de la promotion du genre, du développement du numérique, de la lutte contre les inégalités sociales, ou encore de la réduction des conflits politiques et armés, de la paix, de l'état de droit et de la démocratie. La thématique retenue pour cette édition, et qui sera également celle du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement, membres de l'OIF, est « Créer, innover, entreprendre en français ». Cette thématique répond bien aux préoccupations urgentes de nos populations, notamment les plus jeunes. En effet, en encourageant la créativité et l'innovation, ce sont là des voies, des opportunités pour accéder à des emplois et pour en créer. Dans la même logique, le président de transition du Tchad, Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, conscient des efforts de cette institution dont le Tchad est parmi les premiers membres fondateurs, soutient les initiatives de celle-ci. À cet effet, la politique du gouvernement s'inscrit pleinement dans ce choix pertinent qui vise à favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'actualité ce mercredi est aussi marquée par la levée de la grève. Le gouvernement et les centrales syndicales ont trouvé déjà un terrain d'entente en ce qui concerne le pacte social triennal. Le gouvernement s'engage à respecter tous les points d'ici le 25 de ce mois. Notre reporter Ali Mamat Bello en était témoin. Voici ce qu'il rapporte. Ministère des Finances et du Budget, entre ces quatre murs, ça discute sans dispute l'argent, le pacte social triennal. Entre le gouvernement et les centrales syndicales, un terrain d'entente est trouvé. Depuis pratiquement octobre 2021, le gouvernement a signé le pacte social triennal avec la plateforme syndicale. Et justement, la plateforme s'est rendue compte que du côté du gouvernement, les choses piétinent. Donc nous avons décidé, sur les instructions des hautes autorités de la République, de mettre le pied sur l'accélérateur. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Je peux déjà dire en présence du ministre des Finances qu'en ce qui concerne les engagements financiers, nous sommes à pratiquement 100% d'exécution. Le nerf de la guerre adoucit. Le gouvernement, en première ligne, montre sa volonté de tout régler, respecter tous les engagements d'ici le 25 de ces mois. Assurance du ministre des Finances. Tout ce qui est frais de transport pour tous les fonctionnaires bénéficiaires, nous avons
automatiser et paramétrer intégralement cela dans le système pour qu'à chaque fois, c'est la machine qui puisse mettre ça en paiement. Nous avons fait le rappel de tout ce qui est salaire des intégrés 2022 et qui n'ont pas été payés. Nous avions aussi réhabilité tous les détenteurs de diplômes douteux qui ont été mis de côté il y a quelques années. Et tout ce qui est prime décret, les indemnités pour les zones austères, comme ça a été décidé, ça a été multiplié par deux pour toutes les zones concernées et pour les catégories concernées. Tout passe comme sur des roulettes. La grève est donc suspendue pour une période de 10 jours. 10 jours pour permettre au gouvernement de respecter sa promesse. Ça fait une somme importante quand même, d'environ 11 milliards, que le gouvernement s'engage à payer. On nous rassure que d'ici le 25, les choses vont être déclenchées. Et c'est pour cette raison que d'avance, nous avons suspendu cette grève. Et nous espérons que d'ici la fin du mois, le gouvernement va totalement respecter ses engagements et nous allons peut-être aller vers la levée totale de cette grève-là. Voilà, un compromis qui casse le bras de fer des 21 jours au nom de la République. Ce que nous faisons tous, c'est pour l'intérêt général. Nous sommes des partenaires. Un partenariat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous roulons tous pour la résilience de l'État, en renforçant les travailleurs et aussi le secteur privé. Et c'est avec sourire que les deux parties se quittent. Du sourire qui rayonne l'atmosphère, signe que la vie reprendra son cours normal ce 21 mars 2024. Alléluia. Merci Ali Mamat Bello. Après deux ans d'arrêt pour plusieurs raisons, le chantier de construction de la route Kiabé-Singaku va bientôt reprendre. Le ministre des Finances et du Désenclavement, Aziz Mamad Saleh, est allé faire un état des lieux des travaux et annoncer la reprise des travaux. Chose vue et entendue avec Adam Abdelkader. L'axe routier Kiabé-Singaku, les travaux vont bientôt reprendre. Avec l'arrivée du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mamad Saleh, la base vie va bientôt reprendre vie. Caterpillar, tractopelle, camion, bennes et autres engins stationnés depuis plus de deux ans vont bientôt reprendre du service. Il faut à tout prix reprendre avec les travaux. Le besoin de désenclaver cette partie du pays demeure une urgence non négligeable pour le ministre des Infrastructures. Nous sommes à 34 km entre Kiabé et Singaku. Donc c'est un vieux projet qui a commencé en 2017. Et il y avait plusieurs bailleurs, notamment la BAD, la BDAC, l'OFID et l'État. Et donc les différences des procédures de décaissement et les difficultés d'un certain nombre de banques, pour ne pas les citer, la BDAC, le problème de décaissement, ont fait arrêter la route. Donc notre venue ici est d'abord en prélude de l'arrivée de la mission de la BAD. Le 26 de ce mois, la BAD envoie une mission ici pour voir ce tronçon. Et nous allons boucler rapidement un financement uniquement pour la BAD cette fois-ci, pour éviter justement les difficultés qu'on a pu suivre avant cela. Démarré en 2017 sur un linéaire réel de 72,3 km, des difficultés pour l'aménagement de cette route existent. Heureusement, celles-ci ne viennent pas à bout de la détermination des autorités de la transition. On est venu s'en enquérir, rassurer aussi la population à travers le gouverneur ici, les responsables ici administratifs et financiers de Kiabé, que la route va reprendre. Elle va reprendre, elle s'est arrêtée malheureusement pour des problèmes de décaissement de financement extérieur. Et donc la phase de nouvel financement est en train d'être bouclée, on voudrait s'en réjouir. D'ici fin de l'année, redémarrage. Et la deuxième phase, bouclage du financement et redémarrage en 2025. C'est l'objet principal vraiment de notre arrivée ici, pour voir de visu où est-ce qu'on s'en est, quelles sont les vraiment difficultés. Vous avez vu les 34 km qu'on vient de faire, on a fait presque une heure, imaginez-vous. Donc quand on dit que la route, vraiment, c'est le développement, c'est vraiment la base. Une population qui est nombreuse dans cette zone et qui a vraiment besoin de cette route. Donc on est venu pour mettre en exergue les instructions du chef de l'État relativement à la reprise rapide. Je voudrais par avance remercier la BAD pour les facilités pour pouvoir clôturer le financement de ce projet. Le ministre annonce par la même occasion le prolongement de l'axe Singaku-Amtimane. Mais la matérialisation de cette promesse devra encore attendre.
La réalisation des différentes infrastructures va permettre la relance des activités économiques et surtout la sécurité routière. Infrastructure toujours. La ville de Sarre bénéficie de plus de 11 km de voirie urbaine. Lancée depuis 2012, le chantier a subi plusieurs arrêts. En visite de supervision, le ministre des Infrastructures, Aziz Mohamed Saleh, a instruit la reprise des travaux, auquel cas le contrat sera résilié. Adam Abdelkader, une fois de plus. En parcourant le site de construction de la voirie urbaine de la ville de Sarre, le maître d'ouvrage a enregistré des carences à l'appel. Indisponibilité du personnel, retard dans l'exécution des travaux, entre autres. Le chantier est à l'arrêt depuis plusieurs années. Après avoir fait le constat de défaillance aux techniciens de l'entreprise en présence, les prémices de la résiliation du contrat ont germé. L'entreprise a reçu 36% de financement et le taux d'exécution est à 11%. Donc pour l'administration, c'est décevant. Donc nous avons interpellé le représentant de l'entreprise en lui donnant un ultimatum. L'ultimatum est très simple. Nous avons le mois de mars, donc encore une dizaine de jours qui nous reste, pour arrêter un nouveau plan général de reprise des travaux pour être à due concurrence de ce qu'ils ont reçu. S'il y a cette bonne volonté qui est démontrée, alors l'administration fera en sorte que le marché puisse continuer. Si dans ces délais, il n'y a pas un plan raisonnable avec une visibilité de reprise, alors on ira vers la résiliation du marché. Long de plus de 10 km et comprenant des ouvrages d'assainissement, ces aménagements routiers visent la facilitation de la mobilité dans le périmètre urbain de la ville de Sarre. Et dans la dynamique des intentions des promesses du chef de l'État, le ministre annonce tout assumé des projets au profit de la population. Il y a aussi, toujours dans ce même projet de la Banque mondiale, l'entretien de Moïse Salah, Kotongoro, également de Djeke Djeke. Le troisième axe, c'est le marché sur la route de Mbanda ici. Un projet d'entretien qui va de Sarre à Maro à Sido. Ça avait été déjà signé, donné à l'entreprise Isaac Industries. Alors on va restructurer ce projet pour garder uniquement le bitumage. Dans un échange sans protocole avec les représentants de la société civile, des jeunes et des femmes, le ministre demande à ses interlocuteurs de s'impliquer davantage dans le suivi des différents projets afin de les voir se concrétiser sur le terrain. Hajj 2024, le président du comité d'organisation de l'organe de régulation et de gestion du Hajj 2024, Dr Sheikh Mohamed Khatir Issa, a fait une déclaration ce matin au ministère des Affaires étrangères pour le lancement des activités du pèlerinage à la Mecque. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Iman Mohamed est le responsable des agences des voyages et du tourisme. Le quota accordé cette année au Tchad par l'Arabie Saoudite est de 6 000 pèlerins. Suivez la déclaration du Dr Mohamed Khatir Issa, traduite par le vice-président du comité d'organisation de l'organe de régulation et de gestion du Hajj, Mohamed Adam Idriss. Après son installation, l'organe de régulation de gestion de pèlerinage a effectué une mission en Arabie Saoudite pour prendre part au symposium du Hajj et signer de conventions et contrats pour l'organisation du Hajj avec les entreprises saoudiennes. À l'issue de cette rencontre avec les autorités compétentes du Royaume d'Arabie Saoudite, la première convention a été signée avec le ministère du Hajj qui arrête le nombre de pèlerins à 6 000 cette année, mais qui reste ouvert. Après la signature de cette convention, l'organe, la mission qui se trouve en Arabie Saoudite, a fait des consultations avec certains prestataires saoudiens, dont la compagnie aérienne, le logement à la Mecque, la restauration et hébergement à Médine, et enfin au niveau de Mashaïr. Lors de première consultation,
avec la compagnie aérienne. Nous avons obtenu 4 offres. Donc nous avons évalué et choisi la meilleure offre, qui est celle de Fly Adil. C'est une compagnie saoudienne qui a la capacité de transporter, de mobiliser de gros avions pour le transport de pèlerins. C'est ainsi que nous avons signé avec Fly Adil cette année pour transporter les pèlerins tchadiens. Par rapport à l'année dernière qui était 3 620 000, cette année le Hajj est à 2 950 000 francs CFA. Et puis, suite au conflit intercommunautaire ayant fait plusieurs morts au village Tilegui, dans le département de Djourouf al-Hamar, province du Wadaï, une délégation conduite par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mohamed Chafadin Maragui, se trouve sur place pour apporter une solution à cette crise. Le point avec Amanissa Azina. À bord d'un hélicoptère militaire, la mission de haut niveau conduite par général Mama Sharafadin Margui se trouve à Tilegui, un village situé dans la province du Wadaï, où un conflit opposant deux communautés a fait plusieurs morts et blessés. La mission comprend le secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Sita Yombatina Beni, le secrétaire d'État à l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Oumar Ahmad, du conseil spécial du chef de l'État, Mohamed Saleh Abdeljalil, et celui en charge des missions, Abderrahim Ahmad, du conseil du président du Conseil national de transition, Abdelkrim Moussa Abdelkrim, ainsi que de plusieurs officiers généraux et des responsables de grandes formations. Aussitôt arrivée, la mission rencontre les autorités locales et les responsables militaires pour mieux s'imprégner des réalités du terrain. Selon le gouverneur du Guéra, Mahmoud Togo Choïmi, et du secrétaire général de la province du Wadaï, Abakar Hissène Digidigi, ce conflit meurtrier a fait pour l'instant 42 morts et la grande partie de ce village incendié par les hommes armés. 175 personnes ayant participé directement sur la scène des crimes sont arrêtées. Pour eux, cette mission vient à point nommé et permettra de faire toute la lumière sur ces malheureux événements. Pour le chef de mission, toutes les personnes impliquées dans cette tuerie de masse seront remises à la justice pour que les droits soient dits. Mama Sharafadin Margui a instruit pour que les 10 villages soient sécurisés et que les personnes ayant tout perdu soient convenablement assistées. Les deux secrétaires d'État et les conseillers du chef de l'État se sont relayés pour appuyer les propos du ministre de la Sécurité. La délégation s'est ensuite rendue au domicile des parents des victimes pour présenter au nom du chef de l'État leurs condoléances les plus attristées. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mama Sharafadin Margui, et le conseiller spécial du chef de l'État ont rassuré la famille endeuillée que le droit sera dit et invite à l'apaisement. Une prière a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Clôture cet après-midi dans un hôtel de la place de l'atelier d'induction des membres de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. Une formation de 3 jours sous différents modules pour fournir un ensemble d'outils aux membres afin de contribuer à une opérationnalisation rapide de l'institution. C'est le président de cet organe, Ahmad Barchiré, qui a clos les activités. Thomas Ousmane Diali. Le bébé Ange a désormais des ailes pour relever les défis des prochaines échéances électorales. Sous ses ailes, 45 membres formés durant 3 jours sous différents modules afin de se familiariser avec les principes standards relatifs à la gestion des élections. Il s'agissait donc de plusieurs modules, en commençant même par le cadre juridique et institutionnel. Toutes les questions techniques telles que la cartographie électorale, le fichier électoral, les participants ont eu l'occasion de poser des questions, d'avoir leurs réponses et donc de mieux comprendre ce qu'on leur a présenté. Tout y est. Désormais valablement outillé, les parties prenantes n'ont qu'à traduire dans l'acte les connaissances acquises afin d'assurer avec efficacité et efficience la mission qui leur est assignée. C'est d'ailleurs là les mots d'ordre du président de l'ANGE. Depuis le début, j'ai lu sur vos visages et trouvé dans vos gestes de la détermination, de la bonne volonté, de la disponibilité, de l'assurance et une grande envie de passer
à l'action. Ainsi, l'Ange prend véritablement son envol. Destination des membres dans les prochains jours, les 23 provinces du pays et Bonjour le travail de Torin. Car sur place, ils auront pour mission de véhiculer les expériences et les attitudes acquises aux démembrements provinciaux. Objectif à terme, la réussite des futures échéances électorales. D'un atelier à un autre, cette fois-ci, 23 responsables des médias tchadiens s'outillent sur le rôle crucial dans la prévention des conflits et des violences lors des élections. C'est dans le cadre du projet d'appui aux acteurs citoyens tchadiens et aux élections. L'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, en collaboration avec la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Ramon. C'est le rapporteur de la Ramon, Jean Ngarmagui, Jean-Pierre qui a clos les travaux. Récit Miaro Casimir. Il n'est pas rare que pendant les élections, des conflits violents naissent entre les différents acteurs. C'est dans le cadre du projet Appui aux acteurs citoyens tchadiens et aux élections que l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA, de concert avec la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, a organisé cette session d'orientation des responsables des médias sur le rôle et les responsabilités des médias dans la prévention des conflits et violences durant les élections. Le contexte préélectoral est marqué par une pléthore de candidats et un environnement politique chargé de tensions. Déjà, rendant donc le rôle des médias plus que jamais délicat pour le bon déroulement du processus en cours. Ngargué Jean-Pierre, représentant le président de la Ramon, exhorte les responsables des médias à faire preuve du professionnalisme et de la neutralité dans le traitement et la diffusion des informations durant la période électorale. Les journalistes doivent faire une nette distinction entre le camp des hommes politiques, qui sont le producteur de discours et des idées pédagogiquement choisies en vue de séduire et de convaincre afin de maximiser les suffrages nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Sont conviés à ces assises 23 responsables des médias. Ils auront à se familiariser avec les nouvelles techniques de traitement de l'information en période électorale. La Direction générale des impôts organise également depuis ce matin une journée d'échange sur la conduite de changement en externe, d'information et de sensibilisation des partenaires clés sur le processus de la modernisation et de la digitalisation de l'administration fiscale. C'est le directeur général des impôts, Bayrari Mbari Henri, qui a ouvert les travaux, nous dit Mayala Gisèle. Cette innovation fiscale est le résultat des dispositions prises par les lois de finances sur les opérations en ligne. Le but de cette dématérialisation est l'automatisation des démarches et procédures fiscales, ainsi que la modernisation des services de la Direction générale des impôts, ITAX, et d'offrir aux contribuables un portail qui leur permet de s'immatriculer, de déclarer, d'échanger et de payer en ligne les impôts et taxes dont ils sont redevables. Les déclarations d'ordre de paiement, les quittances, etc. peuvent à ce jour directement être émises, traitées, exécutées, téléchargées et imprimées à tout moment en ligne par les contribuables via leur espace professionnel. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 8 banques qui sont interconnectées avec la Direction générale des impôts. Bayrari Mbari Henri, directeur général des impôts, salue la franche collaboration des partenaires techniques et financiers, des représentants de la coopération internationale rwandaise, ainsi que les responsables du secteur public et privé pour leur contribution à ce projet devenu réalité. Toutes ces innovations permettront à l'administration fiscale de disposer d'un registre des contribuables informatisé et centralisé. Le personnel de l'UNAMO, l'agent de l'ex-ONRTV et DGRTV se sont réunis ce matin en assemblée générale au sein de leur institution. À l'ordre du jour, l'évaluation du suivi relatif au paiement de leurs passifs après la remise du dossier au ministre des Finances le 13 mars dernier. Christelle Ngarlem-Dana pour le compte-rendu.
Réuni en Assemblée générale, le personnel de l'ONAMA, plus précisément les agents de l'ex-ONR-TV et DGR-TV, ont un seul mot d'ordre, le paiement de leurs passifs. À cette Assemblée générale, les agents ont de manière spécifique fait l'évaluation du suivi relatif au paiement des passifs après la remise du dossier au ministre des Finances et du Budget le 13 mars dernier. Le compte rendu a suscité un débat. Pour les différents intervenants, le dossier a trop duré. 8 ans après, il faut des actions concrètes, car il s'agit d'un droit et surtout, vu le dévouement des agents au service de l'ex-ONR-TV et DGR-TV. On est en quelque sorte victime des aléas administratifs et on n'a pas réussi à le rencontrer. Et c'est aujourd'hui qu'il nous le dit en face. Nous, notre préoccupation, c'est d'être payé et on a trop attendu, ça fait 8 ans. Pour le délégué du personnel de l'ONAMA, des promesses fermes ont été faites par le ministre des Finances et du Budget. Le message a été transmis au directeur général de l'ONAMA comme quoi il faudrait qu'il fasse sienne ce dossier-là afin d'intégrer dans le budget de l'ONAMA pour payer. Et à ce moment-là, l'administration de l'ONAMA devient l'interlocuteur du ministère des Finances. RTV, actuel personnel de l'ONAMA, sont unanimes quant à la mobilisation pour le paiement de leurs passifs. Et ceci, suivant la loi. L'Office national de la sécurité routière a lancé officiellement cet après-midi la campagne Ramadan Moubarak. En ce mois du Ramadan, le ministère des Transports à travers l'ONASER veut réduire les accidents des voies publiques. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné au rond-point Adoum Tiré. Reportage Varela Dié dans le sein. Une tradition qui se perpétue chaque année en ce mois béni de Ramadan. Le ministère des Transports, via l'ONASER, Office national de la sécurité routière, rappelle les règles élémentaires sur la bonne conduite. Avec des spécimens, les volontaires mobilisés à cet effet véhiculent le message sur le respect du code de la route. Il faut se dire que la période de Ramadan, c'est une période bénie, donc une période de paix. Et cette paix doit aussi s'observer sur la route. Pendant les heures de pointe, les conducteurs se précipitent pour se rendre à leur domicile. Cela n'est pas sans conséquence et le Nazaire appelle à la prudence. Il faut rouler doucement pour protéger nos vies. Il faut respecter les sens de circulation pour éviter l'embouteillage. Parce que la route se partage. Donc, pendant les heures qui précèdent la rupture du jeûne, il faut se calmer. Dans cette initiative, l'ONASER est appuyé par quelques membres des organisations de la société civile. L'avant-projet de loi portant protection et défense des droits humains est soumis ce matin pour validation. C'était au cours d'un atelier organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de concert avec le ministère de la Justice et des droits humains. Récit Guillaume Benguéry, Almona Abdoulaye. À cet atelier de validation, le gouvernement et les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme mettre sur la table l'avant-projet de loi portant protection et défense des droits humains. Le gouvernement de la République du Tchad, et notamment son président de transition, accorde toujours toutes attentions et protections particulières aux défenseurs des droits humains. Ainsi, le présent avant-projet de loi définit à la fois les droits reconnus aux défenseurs des droits des humains, ses devoirs, ses obligations, ainsi que les mécanismes de leur mise en œuvre. Pendant 3 jours, les acteurs concernés vont passer au scanner ce document qui, selon le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Félix Awonso, revêt une importance capitale. Ce document, une fois validé, servira de boussole pour orienter les actions du gouvernement pour la défense des droits humains.
Face aux occupations anarchiques d'espace à l'origine des cas d'embouteillage dans les marchés, la mairie centrale passe à l'action. Ce matin, la police municipale, appuyée par la police nationale, a fait une descente au marché central et celui de Dembé pour donner l'ordre aux occupants anarchiques de vider les lieux. Matigoto David. Tôt ce matin, la police municipale, aidée par la police nationale, a fait une descente au marché central de Djamena et celui de Dembé. Et ce, pour déguerpir les vendeurs à la sauvette et les commerçants informels qui obstruent complètement les chaussées des grands boulevards autour de ces grands marchés de la cité capitale. Ces occupations anarchiques sont souvent des principales causes des accidents de circulation dans la ville de Djamena. Ces vendeurs et commerçants donnent chaque fois de fil à retordre aux agents de sécurité qui voulaient réguler la circulation autour de ces marchés. Au marché central, tout comme au boulevard du 10 octobre de Dembé, l'opération de dégrippissement se déroule sans brutalité. Votre descente aujourd'hui vient au point nommé. Si vous avez constaté, tous les éléments, la police nationale, la police municipale sont mobilisés pour libérer quand même les grandes artères de la capitale. À chaque fois que l'opération du dégrippissement est terminée, les usagers de ces espaces publics résistent d'obtempérer pour se réinstaller de nouveau. À ce sujet, le commandant de la police municipale, Issa Moussa Abdoulaye, était on ne peut plus clair. Entre-temps, les Tchadiens, les commerçants ambulants et les commerçants détaillants n'ont pas ce comportement. Vraiment, il faut une grande vulgarisation et sensibilisation. Ce que nous sommes en train de faire, les autorités communales en train de nous donner des instructions de faire, c'est dans leur intérêt pour quand même prévenir les accidents et libérer les chaussées aux autres. Pour rendre cette opération pérenne, la mairie de Djamena envisage l'installation d'une unité de surveillance de la police municipale sur ces lieux afin de traquer les récalcitrants. Dans le cadre de la restructuration des organes de base du mouvement patriotique du salut, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Bata, Mahamat Zen Al-Issel, a conduit une mission à Abou Ildildi et à Kondjuro. Il est allé superviser le renouvellement et l'installation des conseils de ces localités. Mahamat Djibrin Alour. Dans la sous-préfecture d'Abou Hijli, département de Wadi Rumé, après plusieurs concertations, le secrétaire général du MPS du Bata, Mohamed Zen Al-Issel, et les membres du conseil provincial ont réussi à restructurer le conseil sous-préfectoral de cette localité. Ils sont 15 membres choisis par consensus et dirigés par le secrétaire exécutif Ahmad Hussein Mohamed. En les installant dans leurs fonctions, le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Mohamed Zen Al-Issel, a rappelé que le travail ne s'arrête pas seulement aux membres désignés du conseil, mais que tous les militants doivent mettre la main à la pâte pour les triomphes des idiots du MPS et pour assurer la victoire du candidat de la coalition, Mohamed Idriss Déby Itno. Les membres du conseil sous-préfectoral sont appelés de faire preuve d'un esprit d'unité, de solidarité et d'échange d'opinions. La même procédure a également été menée dans la sous-préfecture de Kondjuru, où le siège du mouvement patriotique du salut a abrité une cérémonie de restructuration du conseil sous-préfectoral. Ici également, les militants ont convenu de nommer 15 personnes pour occuper divers postes au sein du conseil sous-préfectoral de Kondjuru, dirigé par Omar Moussa en tant que secrétaire exécutif. Le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Mohamed Zen Al-Issel, a souligné dans son discours la nécessité d'une unité, car l'étape actuelle est cruciale. Ainsi donc, tous les conseils départementaux et sous-préfectoraux du MPS du Bata ont été complètement restructurés en application des conclusions du dernier congrès du MPS tenu en janvier dernier. Il s'est tenu à Bol dans la province du Lac une journée de promotion des activités de la filière sémencière et la vulgarisation des textes relatifs aux semences. Une initiative de la délégation provinciale de l'agriculture avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Reportage sous Cassia Prosper-Ramigui. Prennent part à cette journée de promotion des activités de la filière sémencière et la vulgarisation de textes réglementaires relatifs aux semences axées sur la vulgarisation de textes une trentaine de participants. Il s'agit des organisations non gouvernementales,
le service public, les commerçants de semences et les agriculteurs. Au cours de cet atelier, des participants vont passer au scanner les modules tels que les missions de la direction des semences et de plants, les textes régissant la filière semencière, le processus et les activités ayant conduit à la certification des semences multipliées par les producteurs dans la province du lac. Pour mieux cerner le sujet, plusieurs questions ont été posées telles que l'impact du changement climatique sur les semences, les potentialités agricoles particulières du lac et comment assurer une pureté variétale et maintenir l'identité de la variété. Les responsables provinciaux de la direction de semences et de plants, Ali Ousmane Mohamed et ses collaborateurs ont apporté des réponses appropriées aux préoccupations des participants. Le représentant du comité international de la Croix-Rouge, Idriss Alassane Idriss, a renouvelé la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement pour disposer d'un temps agricole nécessaire en termes de semences améliorées et adaptées. Le délégué provincial de l'agriculture du lac, Maalbaï Badoum, a déclaré que cette journée de promotion des activités de la filière semencière s'inscrit dans le cadre général de la politique du gouvernement à lutter plus efficacement contre l'insécurité alimentaire. Pour traduire dans les faits, des documents ont été remis aux participants ainsi qu'une visite des œuvres relatives aux semences. Revenons ici à N'Djamena où la problématique de la mendicité, on n'en parlera jamais assez. Le phénomène, vous le savez, persiste dans les grandes artères et avenues de la cité capitale. Personnes âgées, mineures, femmes, bref, toutes les catégories s'adonnent à la mendicité, une pratique interdite par le gouvernement. Le reportage est signé à Ferba, Sinyambi, Alliance, rendu par Varé Ladé d'Onrosin. Dans ce marché, il ne se passe pas une seule minute sans que l'on aperçoive ces personnes qui pratiquent la mendicité. Je me pose la question, est-ce que ces enfants-là, c'est des enfants tchadiens même? Parce qu'en venant au marché, on te trouve n'importe où. Ils sont là en train de tirer ton panier, tirer le bout de ton pain, qu'ils veulent quelque chose. Par petits groupes ou en famille, ce sont le plus souvent les mineurs qui sont mis devant la scène par leurs parents à la recherche de quelques jetons pour la pitance quotidienne. Une pratique décriée par les citoyens. Les enfants, ils n'ont pas demandé à naître. C'est les parents irresponsables qui ont fait les enfants. Et aujourd'hui, ils ont envoyé les enfants dans les routes de mendier. Même ambiance à la station-service du marché à Mille. Ici, les conducteurs d'engins à la recherche du super ne sont pas épargnés. Ils sont importunés par des bruits incessants de demandes de pièces d'argent. Pourtant, la pratique de la mendicité est formellement interdite par nos lois. L'État doit penser vraiment à pouvoir recadrer ces enfants-là. Parce que les enfants, ils sont vraiment exposés. Créer un cadre, les amener, par exemple, aller à l'école ou bien peut-être le genre d'orphelinat et autres. Parce que c'est les futurs cadres qui sont en train d'errer dans la nature comme ça. Le phénomène persiste. Face à cette situation qui éternue l'image du Tchad, des mesures contraignantes doivent être prises pour enrayer la mendicité. En attendant, les parents de ces progénitures sont appelés à une prise de conscience et les municipalités à corser les mesures pour venir à bout du phénomène. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage initié de la rédaction que se referme le 20h d'aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télétiade. Bonsoir.